Salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. Bon, le jeu a été mis à jour apparemment, j'ai l'impression que les icônes ont un peu changé, surtout celle-là, là. Même elle, elle m'a l'air un peu mieux, et apparemment... Bonjour patron. On reçoit un mail en fait direct, donc je suppose quand t'es à un certain niveau, je dirais. Donc plutôt cool. Davantage de compagnies souhaitent bénéficier de vos compétences professionnelles pour quelques livraisons exceptionnelles. Comme la dernière fois, ce ne sera pas aisé et ceci requerra certaines compétences, de la patience et de la coopération avec les véhicules pilotes ainsi qu'une attention supplémentaire. Mais je suppose que vous avez déjà tout ça, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, il y a toujours de plus grands profits pour ces marchandises. Ah, tu sais comment me parler. Ils ont rajouté beaucoup de trucs, hein. Donc, excepté les missions de transport exceptionnelles déjà disponibles à machin, blablabla, il y a quand même beaucoup de convois exceptionnels dans toutes ces villes. Vous pouvez désormais en prendre, donc ils en ont rajouté un petit peu encore en France. Ok. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, moi je prends. Voilà, moi je prends. Où je suis d'ailleurs? Est-ce que ça a touché mes chauffeurs? J'espère pas. NA. Ah putain. Genre que le camion ne marche plus. Non, ok, ils n'ont pas touché ça. Ils ont changé les icônes. Hein. Vendeur de camion. Ouais, j'ai plus le concessionnaire modé, donc je pense que lui, il ne marche plus pour l'instant, en tout cas. Donc on va probablement attendre que le développeur mette ça à jour. Ah putain, et du coup je suis revenu à Marseille. Ah, je suis tellement déçu, les amis. Je suis tellement déçu parce que... En vrai de vrai, là où j'étais la dernière fois, de mémoire, j'avais des cargaisons... J'avais des cargaisons spéciales. Je suis déçu. Je me demande si j'étais pas à Istanbul ou un truc comme ça. Tant pis. Tant pis, bon, on peut prendre celle-là. Hein, un très long trajet. Que je vais commencer maintenant, qu'on finira en live, je pense. Voilà, donc bah, écoutez, ça paye 6500, 6000. Après, voilà, le trajet, il fait quasi 3000 km. Donc, bon. Oh, jolie cette image en vrai. Ah, c'est stylé ça. Ah, je suis tellement déçu, punaise. Et en plus, c'est à 93 km que je cherche mon camion. Ah, mon truc. Non, 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 non. Non, non, non. C'est Parti, parti. hein. Parti, apparemment. Apparemment. Eh bien, c'est parti. Ok, je vais faire le plein, du coup. Parce que le carburant est moins cher ici, donc je vais le faire. Enfin, en tout cas, ouais, normalement, il est moins cher ici, donc... On va en profiter, voilà. 1,26€, franchement. C'est limite le prix que je payais au truc d'avant. Enfin, voilà, dans le pays où j'étais. Bon, j'ai fait 400 litres pour 500... Pour 500 balles, bon. Voilà, ça m'aurait peut-être coûté un poil plus cher ailleurs. Enfin, voilà, sur un truc classique. Est-ce que d'ailleurs, ça a changé autre chose? Dans le genre banque, par exemple. Donc, je peux toujours emprunter pareil. Je peux toujours pas rembourser partiellement. C'est un peu dommage, ça. J'aimerais pouvoir faire un peu, vous savez, des remboursements. Vous savez, peut-être un petit peu anticipé en mode... Oula, oula, voilà. Vous savez, en mode... ouais, on commence à... Tournez à droite. Bah, genre soit en fait ça réduit le nombre en fait d'échéances qu'on Tournez a à à droite. payer. Prenez la troisième sortie. Soit ça réduit ce qui nous est prélevé chaque mois, tu vois. Et en vrai, oh, ça va, Sortie du apparemment, 29. ça va, je te dérange pas trop, apparemment. Ça va. Donc ça pourrait être vraiment sympa dans le jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Moi, je sais que par exemple, quand j'ai fait le crédit du coup pour ma voiture, j'ai cette possibilité-là de voilà, par mois, je sais pas, genre, je vais dire une connerie, tu vois, mais genre, peut-être je paye genre, je sais pas, genre 350 balles, admettons. Alors, je dis sauf parce que je sais pas combien je paye par mois en fait Quelle est pour la ma date voiture, de donc. sortie? Mais admettons, tu vois, tu payes 350 balles par mois, admettons, pendant 5 ans, admettons. Et tu vois, si par exemple, toi, tu rembourses, alors, bon, du coup, il faudrait mettre des paliers, on va dire, tu vois. Sortez maintenant. Mais par exemple, tu vois, tu rembourses, admettons, je sais pas, genre, allez, 500 balles. Bah, tu vois, genre, soit en gros, ça te fait passer ton loyer, genre, à peut-être, enfin, ton prêt à, genre, 320 balles par mois, au lieu des 350. Ou alors, au lieu d'être sur 50, du coup, t'es peut-être plus que sur, du coup, bon, ben, un peu moins de 50, mais enfin, on se comprend, quoi. Ça aurait peut-être été un peu mieux si j'avais donné, genre, un truc plus élevé, genre, tu rembourses, par exemple, 3000 balles d'un coup, tu vois, ou 3500, tu vois. Ben, potentiellement, ben voilà, soit ça te fait passer, genre, à 300 euros, admettons, par mois, pendant les 5 ans, on va dire. Ou soit, du coup, bah, t'en as quasiment plus que pour 4 ans, quoi, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être un truc sympa, parce que... C'est vrai que quand tu prends un gros crédit, c'est dur de le Venez à droite, rembourser sortez à droite. direct. Ou alors faire un peu comme à la farming, tu vois. T'empruntes, je sais pas, genre, admettons, t'empruntes 350 000. Sortez à droite. Sortez à droite. Allez tout droit. Ah oui, ok, c'est bon. Et j'ai bien fait de sortir là. Heureusement qu'elle a dit, hein. Au rond-point, Et tu vois, par la exemple, bah, troisième tu vois, dans ligne. Farming, tu peux rembourser 5 000 par 5 000, tu vois. Et ça, honnêtement, moi, ça m'irait, en vérité. Hein. Après, ça s'ajuste tout seul. Même limite, et ça te laisse pas le choix, je m'en fous, tu vois. Mais Sortez je à trouve que droite. ce serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, vous, parce que... C'est vrai que dès que tu fais des gros crédits, c'est... Bah, tu vois, je suis pas sûr que tu le rembourses en fait un jour, tu vois. De manière. Voilà. Pas juste que tu le payes tous les mois jusqu'à la fin de jusqu'à l'échéance du crédit, mais que tu le rembourses en fait en anticipé de manière totale. Et c'est vrai que ça pourrait être un bon truc à faire. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un mode qui existe pour ça? Parce qu'en vrai, ça pourrait être en mode limite que je peux intégrer à la. À la. À... Au truc, tu vois. Et je pense que ça pourrait nous aider à voir, tu vois, mais. Je me dis pourquoi pas. Tu vois, si là, en fait, sur les 20 000 que j'ai, par exemple, je rembourse 10 000, tu vois, donne mes crédits. Bah, tu vois, si au lieu de payer, je sais pas, genre par exemple 1900 pour le premier, j'en paye peut-être plus que 1800 ou quoi, Tenez la droite, puis sortez à droite. bah, c'est pas négligeable, quoi. Donc, ouais, je sais pas ce que vous Sortez à en droite. pensez, mais faudrait que je pense à chercher si j'ai un mode pour ça. Ça pourrait être intéressant. Alors, évidemment, pas un mode cheaté non plus, hein, mais un mode assez correct, quoi. Donc, il fasse bien le truc, par exemple. Ça pourrait être fun comme mode, hein, mine de rien. Après, ouais, ça serait intéressant que si ça me réduit en fait mes échéances par jour Au et pas rond-point, sur la prenez la totalité. première sortie. Parce qu'en vrai, que je paye mon crédit limite en 350 jours ou que je le paye au final en, genre, je sais pas, en 380 jours, en vrai, je m'en fous. Mais... Ah, je sais pas, tu vois. Ça mériterait quand même de chercher, je sais pas. Faut que je vois. Faut que je vois. Faut que je me prenne aussi le DLC pour l'Espagne, hein, ça pourrait être sympa. Je me dis, il y a peut-être des trucs sympas à aller faire en Espagne. Surtout que la carte de mémoire, quand je regardais justement Prenez la sur la troisième chaîne, bah, de sortie. Danjor. J'aimais bien les paysages, tout ça. Donc,
Ah, faut que je vois quoi, voilà, si à un moment donné j'ai moyen de le choper en promotion ou quoi. Peut-être voir, mais bon, après. À voir. Alors, tourne à gauche. Bah écoutez, on va déjà ramasser ça. Ce fut une belle balade. Bon, aujourd'hui en vrai, on n'aura pas fait grand-chose. Ah mince, attendez, j'aurais pu réparer d'ailleurs mon camion là. Attendez. J'aurais pu le réparer au. Chez moi là, mince. Bah, cette fois-ci, je la prends comme ça, je pense. Voilà. C'est quand même un très long trajet. Oh là là. Bon, après, j'ai envie de dire, voilà. 42 heures de trajet, c'est quoi? Ça fait 13. C'est 5 pauses à peu près. J'avais 5-6 pauses. Disons que je vais bien avancer, quoi. Et je pense que ce trajet-là. Mince. J'ai oublié d'aller ramasser mon remorque. Et je pense que ça, c'est mon plus gros trajet de la carrière. Ah, c'est chiant à aller prendre ça en fait. Attendez. Ok, je vais me garer là en fait et je vais tourner. Enfin, je vais me mettre en fait en marche arrière. Voilà. Heureusement en fait qu'il n'y a pas de remorque ici. Tu vois. Parce que là, si là il y en avait eu une, ça aurait été un peu casse-bonbon. Je me suis raté. Quel gros naze. Hop là. Recule mon petit, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Soyez Let's prudent. go. Ça pèse combien d'heures? Parce que 21 tonnes. Ouais, 21 tonnes, je pense que je vais galérer quand même. Pas enfin, galérer. Ouais, ça devrait quand même aller, mais bon. Ouais, je pense. Oh, non, ça devrait aller, je pense. Voilà, regardez-moi cet ensemble-là. Stylé, 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 stylé. Ouais, il est vraiment beau Allez quand tout même. droit. Ah ouais, la remorque, franchement, elle est vraiment jolie. Aussi, hein. Aussi belle que. Alors, je sais plus Bon laquelle rond-point. c'était, mais. Prenez la première sortie. J'en avais récupéré une vraiment jolie à un moment donné. D'ailleurs, ça avait fait le titre Sortez d'une vidéo, maintenant. parce que j'ai vraiment flashé sur la remorque. Mais, ouais, non, clairement. Ouais, ça, elle est quand même jolie. Hein. Pas, ouais, pas se mentir, elle est quand même assez belle aussi. Mais bon. Et ouais, là, n'empêche, 2900 bornes quasiment, je crois que c'est mon plus long trajet aujourd'hui. Ah là 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 là. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Ça fait plaisir, les amis. Après, ouais, Sortez je suis. maintenant. Après, ouais, je suis payé que 6 000, donc ça veut dire qu'avec le carburant et tout, bon, à moi tout seul, bon, voilà, je ramène pas finalement tant que ça. Tournez à droite. Ça paye quand même bien, on va pas se mentir. 2 euros le kilomètre, franchement, moi je prends. Oula, je l'ai pas vu, elle. L'autre va ralentir, hein. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur qu'elle me fonce dedans. Attendez, j'ai 2h20. Je vais voir en fait si j'ai pas. Par contre, les icônes là, ils ont changé. Hein. 2h20. Attendez. Où est mon point? 1 heure ici. Donc, ouais, les gens peuvent s'arrêter là. Peuvent même s'arrêter là-bas. Je pense que là. Bon, on va s'arrêter là en fait. Ah! Ça fait là. Il est temps d'aller Je pense, travailler. ouais, 2h11, on va être. Mince. Limite, limite, mais ça passe. Donc voilà, comme d'habitude, faut pas qu'il y ait de bifurcation, sinon c'est la merde. Voilà. Et voilà, les choses sont claires. Je veux dire. eh bien, écoutez, let's go. Hein, c'est. Voilà, ça avance plutôt bien. Je réfléchis, est-ce que pour la vidéo je vais jusqu'au point en fait où on s'arrête? J'ai peur qu'elle soit trop longue après. Oh, Cougar qui aura une 300 balles, bon. Rien de. Voilà, rien de sensationnel, hein, j'ai envie de À droite. dire.
C'est pas. Sors pas à droite, elle m'a dit, hein, la dame. Sortez Ouais. à droite. Ouais. Et je reste à gauche, du coup. Allez tout droit. Oulala, c'est pas mon tir parce Prenez qu'il y a la un point troisième donc. sortie. Évidemment, on regarde pas s'il y a des gens. Ça se saurait si on regardait. En vrai, ça se saurait. Sortez maintenant. Je peux rester sur cette voie. Non, faut que j'aille au milieu. Ouais, bref, ça faut que j'aille au milieu. Tenez la gauche. Eh bien, parfait, je vais rester à gauche. Mais ouais, pour en revenir du coup sur la banque, je trouve que la banque dans ce jeu, c'est pas terrible. Parce que en plus des petits problèmes que j'ai énoncés tout à l'heure, en fait, on n'a pas trop le choix sur les montants qu'on voudrait emprunter. Par exemple, je vais dire une connerie. Tu vois, par exemple, tu veux t'acheter, je sais pas, on va dire deux camions. Parce que tu as, on va dire, deux nouveaux chauffeurs. Ok? Du coup, admettons, tu vois, t'as rien. T'as pas d'argent, tu vois, sur toi. Et du coup, alors c'est peut-être un mauvais exemple. C'est peut-être un mauvais exemple. Oh, attendez, je vais revoir combien on peut emprunter en fait dans les sommes. Mais je pense que c'est un mauvais exemple. Banque. Ouais. Ben voilà. Par exemple, tu vois, t'as zéro d'argent. Non. On va dire, tu as un tout petit peu d'argent. Et tu voudrais. Et en gros, tu vois, il te faudrait, genre, je sais pas, les 250 000. Ouais, 250 000 pour ton truc, pour ton crédit. Et en fait, bah, soit tu passes sur un crédit à 350 000, du coup, avec quand même des échéances pas données. Ou soit tu prends un crédit à 150 000 et deux crédits à 50 000. Mais alors là, du coup, je peux te dire que t'exploses, en gros, qu'en faisant ça plus deux fois ça, t'as plus que ça. Donc autant prendre les 250 000 et les 350 000. Mais ouais, tu vois, genre, je trouve c'est pas. Et tu sais, par exemple, si t'as besoin, je sais pas, genre, que de 20 000 ou quoi pour t'acheter une remorque ou tu sais, même un camion, tu vois, t'es obligé de faire un prêt de 50 000. Je trouve c'est pas. C'est pas terrible. On va dire, je préfère le système de crédit de farming, tu vois, où tu peux prendre juste par tranche. Bon, du coup, évidemment, c'est plus chiant quand tu vas emprunter. Mais il est en train de me foncer dessus, lui, non? Quand t'as besoin d'emprunter, je sais pas, genre une grosse somme, tu vois, touché de spam clic. Mais à côté de ça, tu vois, Bah, déjà, tu peux le rembourser petit à petit. Et on va dire que c'est plus. Ben voilà, tu vois, t'es plus. Ah, j'ai perdu le mot. On va dire malléable sur ton crédit. Après, bon. Tu vois, peut-être pas faire des tranches de 5 000, parce que là, on achète quand même des camions qui montent vite à 150 000, 200 000 euros. On va dire, dès que tu sors du bas de gamme, on va dire. Donc moi, tu sais, faire des tranches de 10 000 ou 20 000, tu vois, ça me choquerait pas, tu vois. Après, bah ouais, ça serait du coup proportionnel. Enfin, du coup, tu vois, limite, tu aurais un taux unique. Enfin, tu sais, genre, en fait, soit tu aurais des. Ouais, je sais pas, tu vois, mais. Ouais, pour moi, le système de banque, il est pas sensationnel dans ce jeu, tu vois. Et après, je sais qu'il y a un mode pour avoir un prêt à 4 millions, max. Mais bon, pour le coup, si je fais un prêt de 4 millions dans une carrière comme ça, on peut dire que la série, elle est morte. Hein. Parce que, ouais, les échéances, faut les sortir après. Hein. Déjà là, je suis loin, je pense que je suis à la moitié du crédit max que je pourrais avoir aujourd'hui.
Quasiment. Peut-être un petit peu plus. Mais et déjà, je galère. Alors je me dis, si jamais j'emprunte du coup ce qui me reste. Je pense que ce serait compliqué. Mais. Par contre, en mode. En mode normal, on va dire. Enfin, sans le mode économique. J'avais pris sur une carrière à moi le crédit à 4 millions. Hein, à direct. J'ai très rapidement eu genre 20 conducteurs. Et du coup, bah, je remboursais les crédits, mais. Pff, laisse tomber, quoi. Genre. Enfin, plutôt je remboursais les échéances en mode. Ouais, en mode vraiment, vraiment cool pour le coup. Enfin, franchement, en fait, ça avait donné un tel coup de boost à ma série que ça en était juste débile, tu vois. Parce que j'avais vite, tu vois, 5 nouveaux chauffeurs par 5. Tu sais, genre, en même temps, j'en ai acheté 5 et du coup, j'en rachetais 5 limite le lendemain. Enfin, tu vois. C'était totalement débile comme truc. Enfin, l'argent coulait vraiment à flot. Et franchement, en termes de niveau, j'étais pas avancé comme là. Hein. J'étais un peu plus bas. Je devais être peut-être niveau 20, je dirais. Donc bon, j'avais quand même des missions, tu vois, qui rapportaient, hein, attention. Mais ouais, non, entre ce que moi je rapportais, plus ce que mes conducteurs rapportaient à chaque fois, laisse tomber. J'avais beaucoup trop d'argent. Et au final, je pouvais très vite m'acheter des gros camions, je pouvais très vite, enfin tu vois, je pouvais vite, voilà, avoir beaucoup d'autres choses. Et du coup, ben. Prenez la droite, puis sortez à droite. On va dire que ça avait perdu le charme du jeu qui est de Sortez à profiter d'un droite. camion, après tu changes de camion, enfin voilà. Parce que là, limite, avec ce que je gagnais, je pouvais Allez, limite m'acheter tournez. un gros camion. Merde. En fait, je parlais, j'hésitais à aller à droite ou à gauche. Au final, j'ai pas choisi. Et voilà. Ce qui devait arriver à... Par contre, c'est normal que j'étais qu'à 4%. Mon camion avait été réparé, je pense. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Tant mieux, hein. Et ouais, en fait, je voulais regarder si à gauche là-bas, je pouvais avoir. Vous savez, des places en mode le long ici, Ouvert là. nouvel itinéraire. Mais non. Ben, je pense pas. Ça m'a coûté 4% de dégâts. Bon, allez, c'est pas gênant. Donc, je suis à 18 369. J'ai pas gagné beaucoup quand même là sur la nuit. Déçu quand même. Un petit peu déçu. T'en restant 115 heures. Ah ouais. Ah ouais. Mais ouais, du coup, ouais, je peux emprunter 2 millions au total ou je peux encore emprunter 2 millions? C'est ça en fait le truc. Et ouais, du coup, c'est pas mal quand même. En termes d'aptitude, il manque 7 niveaux à passer, je dirais. Et ouais, en termes de chauffeur, on est comment là? 7,5, 6,7, tous à 4,2 après. Lui là, le dernier truc qu'il m'a ramené, ça a tellement remis bien. Genre là, il m'a fait deux trajets, mais genre godlike, quoi. Ça... Oh, lui, il a zéro. Tu te demandes pourquoi il bosse, le mec. Ouais. Mais là, pour le coup, je pense qu'en gestion des garages. Ah non, j'allais dire, je suis pas trop mal, mais en fait, non. Pas tant que ça, parce que. Ben, ça... Alors ça paye quasiment ce que je paye par jour, du coup. Mais ouais, donc en gros, là. Si on maintient comme ça, je perds 500 balles par jour, je pense. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus déconnant. Voilà. C'est. Ah ouais, je pense que je vais faire une petite miniature comme ça, là, avec les lumières et tout. Ça fait joli. Ouais, ça fait joli. Bon, bon, dommage pour les poubelles. Dommage pour les poubelles, mais. C'est pas grave. Bon, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On termine ce trajet demain. Donc, demain, pendant le live, si j'ai pas d'empêchement au boulot. Oui, si, c'est ça. Parce que vu que je tourne la vidéo mercredi, du coup, je sais plus trop, on va dire, où j'en étais dans mes jours.
Et puis voilà. Donc, ben, les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!